Ainsi, sur le plan statistique, Robert Lewandowski a réalisé une belle saison 2023-2024 avec le FC Barcelone, 26 buts et 9 passes décisives en 49 matchs. Il a parfois semblé être en difficulté durant plusieurs rencontres. L'avant-centre de 35 ans a néanmoins la lucidité d'avouer lorsque ses performances ne sont pas excellentes. Et c'est ce qu'il a fait lors d'une interview accordée à Espin ce jeudi, relayée par AS. La saison dernière a été plus difficile pour moi sur le plan physique. Je sais ce que j'ai fait de mal et ce que j'aurais pu faire de mieux. Mais physiquement, je ne vois pas de différence entre ce que j'ai fait aujourd'hui et il y a 2 ans. Je peux encore marquer beaucoup de buts, a avoué le Polonais. Néanmoins, l'ancien joueur de Dortmund et du Bayern en est convaincu. Son âge avancé ne doit pas être vu comme un obstacle, et il est prêt à attaquer cette nouvelle saison. Je me sens mieux physiquement que ces dernières années. Je me sens mieux physiquement. Même si je suis plus âgé, je ne sens pas la différence. À lui de le prouver désormais sur le terrain. En proie à de grandes difficultés financières depuis de longues années, le FC Barcelone passe encore un été compliqué sur le marché des transferts. Pour autant, une bonne nouvelle guette le club catalan, qui devrait se séparer d'un indésirable dans les prochains jours. Comme chaque été, rien n'est facile pour le FC Barcelone. Au sortir d'une saison peu fructueuse et décevante, le club catalan avait à cœur de repartir sur des bases plus saines pour la cuvée qui approche. Mais voilà, malgré l'arrivée prometteuse d'Hansi Flick sur le banc culé, les finances ne permettent pas de donner vie aux idées du coach allemand. Depuis de nombreuses années, le Barça fait face à de terribles problèmes de trésorerie qui ne lui permet pas toujours d'attirer des joueurs de qualité. Cet été, les pensionnaires du Camp Nou ont notamment du mal à boucler l'arrivée de Nico Williams. Une situation confuse qui pourrait éloigner le champion d'Europe de la Catalogne. Par le passé, cette situation économique délétère avait également forcé les Catalans à faire quelques achats peu attendus. Des paris qui ne se sont pas tous avérés fructueux, à l'image de celui qui avait été fait avec Oriol Romeu. Formé à la Masia, le milieu défensif était retourné auprès de son club formateur l'été dernier. Une arrivée qui avait été escortée par les doutes des supporters culés, qui ne se sont pas trompés au sujet du joueur de 32 ans. Titulaire en début de saison, l'ancien de Southampton était apparu à 37 rencontres avec les Blaugrana et a souvent rendu de fiers services à Xavi. Néanmoins, loin d'être un piètre joueur, Romeu n'a pas semblé être taillé pour endosser le statut de titulaire avec la formation barcelonaise. Dès lors, son avenir semblait s'écrire en pointillé avec le Barça. En ce sens, les choses ont sérieusement commencé à bouger ce vendredi. Présent à la tournée américaine avec ses coéquipiers, Oriol Romeu va revenir de l'autre côté de l'Atlantique, afin de trancher pour son avenir comme l'a annoncé le club culé durant la soirée. Dans le même temps, Sport a annoncé que le joueur allait revenir du côté de Girona. En effet, sur son site, le média catalan affirme que Michel a souhaité faire revenir un joueur qui avait brillé avec l'autre club de Catalogne lors de la saison 2022-2023. Taulier de Girona, il avait brillé à tel point que le Barça s'était penché sur son cas. Selon nos confrères ibériques, le natif d'Ulldecona va revenir dans son ancien club sous la forme d'un prêt. Cette transaction, qui a avancé en sous-marin depuis quelques jours, est proche d'être conclue et devrait être effective dans les prochains jours. Miné par un rendement irrégulier et de nombreux pépins physiques lors de son année au Barça, le transfuge de Chelsea aura à cœur de se relancer avec une formation qui disputera la Ligue des Champions l'an prochain.